Départ d'Ayon station. Sur le parking de la piscine municipale. 200 mètres plus loin, on prend le sentier qui part sur la droite. Juste au-dessus, je prends à droite à travers champs pour rejoindre le chemin qui est juste au-dessus. Tout en haut du champ, il faut passer la barrière. Et on arrive sur un gros chemin forestier qui vient de Panlou, donc il vaut peut-être mieux passer par Panlou et qu'on va prendre sur la droite. Long retour en direction de la station, ça redescend même par endroits sur un chemin peu agréable. Et ensuite on va prendre un autre chemin forestier qui monte tout droit là. Nouveau croisement. Ne pas prendre tout droit, c'est un cul-de-sac. Continuez à monter à gauche. J'ai continué longtemps le chemin forestier principal qui va en direction du fond du vallon pour arriver dans un cul-de-sac. Et là, je vais tenter de prendre les boulis là, qui montent tout droit. Sans doute une ancienne lait forestière. On verra bien. Je suis pile en face la piste noire qui descend du Mont Morbier. Alors ça grimpe méchamment. Et c'est pas fini. Normalement, je suis juste en dessous du sommet. Bah, je verrai où ça débarque. Ce couloir est extraordinairement physique et dangereux. Ne pas s'y engager. Je ne sais pas comment je suis arrivé en haut. Parce que là-dessous, il y a des barres interminables. On a envie d'en sortir, mais on n'en sort jamais. Sauf au sommet, alors je ne sais pas où je suis. Là, je pense que ça s'appelle le Jardin des Dames. Essayer de poursuivre, je crois que c'est le mont de la Buffe là-bas. Je vais voir si ça passe sur la crête. Très sympathique cette crête. J'espère que ça va durer. Je viens de passer le mont de la Buffe, qui est pas très loin d'ailleurs. C'est le même cairn quasiment. La crête est très jolie et je vais essayer de la poursuivre jusqu'au Grand Roc qui est tout de suite après. Au fond, on aperçoit la pointe de la Galope. Le Grand Roc. Là-bas au fond, on aperçoit l'énorme col du Granier avec le sommet du Granier. Alors la crête est vraiment très jolie et très agréable. Ça ressemble beaucoup au rocher de l'Abade qui lui font suite de l'autre côté du Nandaillon. Et ça se poursuit ensuite vers le Colombier. C'est vraiment une crête extraordinaire. Je poursuis en direction des chalets de la Buffe. Et ensuite, je redescendrai par le vallon du Lindard jusqu'à Ayon station. On aperçoit le mont Morbier. Juste devant la dent d'Arcluse. Passage reposant sous les arbres, ça fait du bien.
Qu'est-ce que tu dis? Ah, t'es curieuse, toi, hein? Tu es très curieuse. Hein? Elle t'embête, tes mouches. Hein? Arrivé au chalet de la Buffe, je vais prendre le grand chemin d'alpage qui descend vers la vallée. Après la série de petits virages, c'est tout droit. Je n'ai pas voulu suivre le chemin qui descendait vers le Penon, donc j'ai continué tout droit le chemin forestier. Et comme d'habitude, je me suis retrouvé à descendre tout droit dans la forêt. Et je me retrouve au ruisseau. Pas très long en fait le ruisseau, j'ai vite retrouvé un chemin forestier. Je rejoins quand même la route que j'aurais voulu éviter, tant pis. Voilà, aujourd'hui j'étais à la recherche d'un itinéraire qui normalement passe beaucoup plus à droite. Et en fait, je suis monté par là, à travers les barres qui m'ont conduite au premier petit sommet, et après j'ai fait la traversée là. Alors surtout ne passez pas par là, c'est très dangereux. En fin de compte, c'est pas très long le morceau de route, un petit quart d'heure, pas plus.